Coucou, bonjour, on se retrouve pour le jour numéro 23. Ça veut dire que c'est le dernier jour complet qu'on a ici aux États-Unis. On va aller se balader un petit peu dans Denver. Ce matin, on a traîné. Il est 9h15. Déjà parce qu'on n'a rien de prévu aujourd'hui. Et on a commencé à ranger un peu les affaires. Mais c'est surtout ce soir qu'on fera ça. Qu'on passe un petit coup de Karcher à la voiture, peut-être un petit peu d'aspirateur, et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. On vous retrouve dans Denver, le dernier des dinosaures. Il fallait que je la place. Alors, on se retrouve dans le centre de Denver. On est au Convention Center, à l'endroit où il y a le gros ours bleu. Voilà, et on va aller faire un petit tour jusqu'au Capitole, au Civic Center, donc la mairie. Et puis après, on verra ce qu'on fait cet après-midi. Allez, peut-être rien, on verra. Alors le bâtiment derrière moi là, c'est un bâtiment où ils produisent des pièces de monnaie, c'est pour ça que c'est assez sécurisé, mais ça se visite, alors pas tous les jours et évidemment pas le samedi, et faut pas venir avec, on visite sans rien, je crois qu'il n'y a même pas d'appareil photo, pas de sac, etc. Ils prennent les ID à l'entrée et c'est interdit au moins de 7 ans je crois. Donc allez voir sur le site internet, vous cherchez United States Mint, là, comme ça, ici, et vous trouverez. Il y en a 5 ou 6, je crois, aux États-Unis, donc si vous passez pas par Denver, mais que vous en avez un autre, ça peut valoir le coup. Et là, on va aller au Civic Center, qui est juste là, ici, tada! Alors, il faut qu'on vous raconte, on s'est fait avoir. On a suivi un panneau qui marquait la, The Best View of Denver. Et on pensait avoir une vue sur le Capitole, le Civic Center, etc. Et en fait, pas du tout. C'est juste pour faire monter les gens dans le centre commercial et avoir la best view sur le nom Denver. Voilà. Allez, on continue. On va retrouver la voiture. Alors voilà, on a fini notre petit tour de Denver, sous les gouttes, qui sont de plus en plus fortes. On est presque arrivé à la voiture, donc ça va. Parce que là, ça pleut, hein. Et moi, j'ai pas de capuche. Alors, il se fait midi 12. Et on sait pas ce qu'on fait cet après-midi. Donc, on verra.
On va regarder la météo aussi, voir ce qu'il, le temps qu'il fait. Et puis, on va peut-être se rentrer à l'hôtel d'abord, se reposer un petit peu, faire les valises, voir un peu toute la place qui nous reste, et peut-être après aller faire un peu de shopping et passer un coup de nettoyage à la voiture quand même, parce qu'après 3 semaines et 3400 miles, elle est un peu scrade. Mais ça va, pas trop encore. Allez, à plus tard. Et c'est là qu'on a mangé hier. Bon, ça y est. Alors, ça y est, les valises sont presque faites. Et devinez où on est. Devinez où on est. Devinez où on est. Oh, un Walmart, encore un. On les aura tous faits. Enfin, pas tous quand même. On va aller acheter 2-3 trucs à grignoter pour l'avion demain. Je suis en plein contre-jour. Voilà, c'est mieux. Donc, je disais, on va aller prendre 2-3 bricoles à grignoter pour demain, ramener aussi pour mes collègues. Peut-être. T'avais pris quelque chose, toi, pour ta famille? Non? Hello! Je dis bonjour quand même, je suis poli. Et ben voilà, pour aussi la famille chez qui Myriam travaille. Et puis voilà, et après on ira manger. Et après, ça va signer un peu la fin des vacances. Alors, on va par où? Alors, bon, bah, Walmart, on a pris des M&M's, goût beurre de cacahuète et bretzel. Ouais, je sais, c'est assez original, mais moi, j'aime bien. Un côté un peu sucré salé. Et là, on va aller se péter le bide une dernière fois chez Golden Corral Buffet and Grill. On va faire quoi, loulou? On va manger. Manger, ouais. Voilà. Cet enfant est un ventre à pâtes. C'est bien mon fils, on dirait. Bon, allez, on va manger. On vous montrera un petit peu. On va se péter vide. Bah alors, on s'est pété le bide. Bon, bah on s'est pété le bide. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Enfin non, pas tout à fait. Bah là, on rentre à l'hôtel. On va se laver un bon coup. Parce que demain, on sait pas quand est-ce qu'on se relave. Après-demain, ouais. On décolle à 9h50 et on atterrit à 6h du matin, heure de Paris, lundi. Allez, à plus tard. Mettez un pouce si vous avez mangé autant que nous. Et ouais, mettez un pouce. Voilà, et on vous dit à demain pour la toute dernière vidéo du voyage avec le trajet du retour. Je pense qu'on sera encore plus fatigué que là. Allez, bisous.